Alors, shalom, soyez bénis, j'espère que vous allez bien. Voilà, tout va bien chez moi, par la grâce de Dieu. En ce jour d'aujourd'hui, le vendredi 21 mai 2021, je suis en dehors de la Guinée, mais bien sûr en Afrique. Ben, je suis en privé, mission privée. Donc, pour le moment, je ne vais pas vous dire où je suis, sinon tout va bien. Voilà, je suis très bien logé, je tenais à dire merci à ceux qui sont allés franchement m'accueillir à l'aéroport, toute la sécurité, franchement, merci. Je me suis réveillé très bien, même bien même. Ouais, mon cerveau est très zen. Ça peut maintenant détecter plein de choses. Voilà, on a le détecteur très activé. Donc ça dit la journée là c'est gâté. Le détecteur dans la ville, ça va trop vibrer. Donc c'est pour dire que ça va bien. Il y a aussi les enfants spirituels ouais, qui pensent à nous. Ouais, merci Zach d'avoir mobilisé toute une sécurité à l'aéroport. Voilà, je suis arrivé, il y avait déjà des gens qui m'attendaient, une sécurité de marque. Ben, pas de problème, mon séjour se passe très bien, très bien, très très bien. Alors, tout va bien. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, tout va bien. Il y a des enfants spirituel et il y a des enfants spirituels. Il y a des gens qui viennent dans ta vie parce qu'ils ont besoin de tes services. Une fois aidés, ils disparaissent ou même ils sont là comme des éléments de nuit. Il y a des gens qui sont dans l'anonymat, ils ne font pas trop de bruit, mais qui sont très loyaux et fidèles. Voilà, merci Isaac. Je te savais comme ça parce que tu n'as jamais lâché le ministère. Quelles que soient les difficultés qu'on va traverser, tu as été toujours là, tu as soutenu le ministère, tu nous as aidés. Tu apportes toujours ton soutien à l'œuvre de Divo jusqu'à aujourd'hui. Je suis fier de toi. Et de par toi, merci à tous les enfants spirituels qui sont restés loyaux et qui continuent de soutenir ce ministère. Ce ministère a besoin d'être soutenu parce que vous voulez ou pas, que vous voulez ou pas, que vous partez ou partez ou pas, ce ministère est unique au monde. Et le ministère vous a rendu d'énormes services. Pour ça, vous méritez, vous avez besoin, n'est-ce pas, de soutenir ce ministère. Parce que ce ministère-là vous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Ce ministère-là vous a fait grandir, vous a donné de la connaissance. La connaissance, ça s'achète. La connaissance n'a pas de valeur. Ça dit plutôt, l'argent même, c'est peu par rapport à la connaissance. C'est ça que les gens vont dans les grandes universités. Aux États-Unis, ils payent très cher parce que la connaissance est chère, ça se paye cher. Nous vous donnons des connaissances gratuitement. Tout ce que nous voulons en retour, c'est la reconnaissance. C'est tout. La loyauté et la reconnaissance. Comme ceux qui suivaient même Jésus, bon, ce n'est pas tout qui était fidèle à Jésus. Non, toutes ces personnes n'étaient pas fidèles à Jésus. C'est pas, si Jésus n'a pas fait l'unanimité, c'est pas nous aussi qui en avons fait autant. Il a dit, ce qui est arrivé au bois vert, il arrivera au bois sec. C'est vrai que nous rencontrons de mauvaises personnes, mais nous rencontrons aussi des personnes, de bonnes personnes qui nous marquent. Merci. Moi, je suis convaincu que mon ministère dérange et je vais rencontrer toujours des gens et tout ça. Je suis toujours, mon cerveau est prêt à beaucoup de choses. Mais pour dire, je suis dans un pays. Voilà, je ne dirais pas, c'est quand je vais finir mon séjour. Voilà, parce que je suis venu en privé, beaucoup privé. Donc, je n'ai pas envie de faire le tapage autour de ça. Voilà, quand on aura la croisade dans ce pays-là, il y a des hommes qui sont là. Voilà, vous allez les voir, je parlerai d'eux. Mais pour le moment, discrétion oblige. Parce que c'est important, hein. Ce n'est pas tout un esprit qu'on a, les gars. C'est pas tout. Non, ce n'est pas tout. Parce qu'il y a trop de bougnons. Les sorciers, les baillefouets qui sont toujours là. Voilà, donc je suis très heureux. Voilà, très heureux d'être un instrument puissant que Dieu utilise pour apporter une bénédiction à l'Afrique. Voilà, nous sommes en train de travailler pour faire sortir l'Afrique de beaucoup de difficultés. Alors, c'est vrai que deux jours là, je n'ai pas fait de zoom, d'accord? Je n'ai pas eu de zoom à faire de zoom. Parce qu'il fallait préparer mon voyage pour l'aéroport. J'avais la convocation à l'aéroport pour 4h du matin. Il fallait aller très tôt. Après ça, je suis descendu hier. Bon, regarde, le meilleur remède contre
la fatigue, c'est le repos. Dieu même s'est reposé de ses yeux. Il fallait que je me repose, que je sois zen dans la tête et que je sois utile à cette mission et surtout ce pour lequel je suis ici dans ce pays. Sinon, tout va bien. Je donne des nouvelles. Tout va bien. Tout va très bien. Alors, ce soir, nous avons une veillée sur Zoom. Voilà, ce soir, cette nuit-là, du vendredi, nous avons une veillée, comme d'habitude, à partir de 1h du matin, heure de l'Afrique. Voilà, nous allons avoir un programme sur Zoom à Divo. Ça sera aujourd'hui vers 17h, vendredi 17h à Divo. Tout va bien. Et la vie continue. Soyez fidèles, soyez loyal, surtout la loyauté. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, ne le détruisez pas, ne faites pas semblant. C'est pour ça que par moment, vos prières ne sont pas exaucées. Vous faites semblant d'avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Si vous n'aimez pas une personne, partez. Au moins, il y a quelque chose. Vous êtes au moins été sincère, mais nous avons toujours apporté, surtout moi, Joël Crasso, j'ai apporté beaucoup, beaucoup à la vie de beaucoup de gens. Malheureusement, pour d'autres, un mauvais souvenir, d'autres, un bon souvenir. La vie continue. Dieu ne se répand pas de son don et de son appel. Je suis très heureux d'être ici, Isaac, que Dieu te bénisse, merci, voilà, merci pour tout, merci surtout pour l'accueil, voilà, ça m'a marqué d'avoir honoré un père, et la Bible dit que la bénédiction d'un père, c'est vraiment quelque chose dont je te bénis ce matin, je te bénis, et je bénis ta vie, je bénis ton travail, tu seras le meilleur dans ce pays. Alors, shalom, excellent week-end à tous, prophète Crasso.